Monsieur le Président, je m'appelle Rivé Bikil, je suis le président de PNC. L'élection est l'équipe dans le cadre du Congo. L'impression que les amis, pour l'élection et l'équipe dans le Congo, ont publié monsieur qui s'est quitté. Il y a l'impression que Félix, l'impression que les amis, pour l'élection. La publication est monsieur Félix. Merci, Mingi. Bon après-midi, bonjour, bonsoir. Naba Congolais, nous sommes ici vous allez. On a pris un peu de temps pour réagir après observation de ce qui s'est passé. Réellement, l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor Azalaki n'a raison. L'air à l'obaki. L'émotion est nègre et la raison est hélène. Dans le passé, on a partagé totalement tes opinions à SSA parce que nous tenions sur la moquille à la émotion. Mais chez nous, les Congolais, c'est scandaleux. Impressionnant, c'est que les années sonnent pour la bisouma congolais. Ton CP là, quand on vient de nommer à la tête du pays, de notre pays, un personnage traître, je ne peux pas parler de son incompétence parce que Asalana n'a été la vinaye et on ne l'a pas encore vu au travail. Mais peut-être on peut avoir des préjugés pour dire qu'il n'est pas compétent parce que tu es vinaye. Donc, il ne provient pas de la planète Mars ou autre planète. Azali la planète d'Abiso, Toyebiye, Vinaye, Azali Kacheté. C'est une honte à Sony pour proclamer parce que M. Félix Tshilombo, tu sais qu'il dit, n'a pas été élu. Il a été proclamé par une cabale. Il y a bateau, il y a Hippolyte Kajambe et Kanambe, il y a bateau à Kanam, il y a bateau à Kagame, il y a Museveni et les multinationales qui ne veulent pas quitter le Congo. Il a donc été nommé. Et plusieurs fois, tu dénonces qu'il n'y a jamais eu d'opposition réelle au Congo. Félix Tshisekedi n'a pas été un opposant, il n'en est pas un. Moins encore, monsieur Martin Fayoulou. Mais Martin Fayoulou, dans ces circonstances inouïes, est plébiscité. C'est lui qui a été élu. Et il serait peut-être le moins de mal. Moins de mal, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a une sorte d'expérience. Et c'est qu'à ça, là, la ville au Gérard. Et puis les Congolais comme Félix Tshisekedi. Nous remercions l'Église catholique congolaise, bien que Ngaï Nazali croyant la ville au Gérard, mais au moins ils ont fait un travail de titan d'envoyer une quarantaine de mille de témoins là-bas à la station et à vote. Ma bureau de vote partout. Et ils ont les résultats réels qui reflètent la volonté du peuple congolais. Malheureusement, ils ne sont pas habilités à faire la proclamation de ces résultats. Et je me demande pourquoi. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont religieux qu'ils doivent être écartés de la vie politique. Ils vivent au Congo. Ils vivent dans notre pays et je pense que malgré le passé entre l'Église et l'État qui proclame la séparation de l'État et de l'Église, je pense quelque part les gens de l'Église doivent jouer le même rôle que tout le monde. Ils ont le droit de proclamer parce qu'ils ont été témoins de la réalité, de la voix et de la volonté du peuple congolais. Donc,
moto oyo a gagné qui élection ezali Martin Fayulu. Je sais que Martin Fayulu azali moto ya yanani ya Katumbi ya Jean-Pierre Bemba na ya Afrique du Sud. Mais disons-le, c'est lui qui a gagné les élections. Félix, ce n'est pas toi qui as gagné les élections. Et là, je félicite mon frère Martin Fayulu d'avoir choisi le véritable terme, que ça a été une escroquerie électorale. C'est une escroquerie, mais il faut avoir honte. Okosuka wapena moyibi. Yo, Félix Tshilombo Tshisekedi. Papa na yo a kosa biso. Famille na yo eza famille ya moyibi. Tu ne mérites pas. Vous avez envoyé beaucoup de gens à la mort. Après les concertations fallacieuses de Genève, yo na caméra caméré, tu es allé signer un contrat à Nairobi qui n'engage pas le peuple congolais et le Congo. Tu n'as pas le droit d'engager le Congo et les Congolais dans des contrats illicites. Tu n'as pas été mandaté par les Congolais. Le Congo ne t'appartient pas. Ce n'est pas une propriété de la famille Tshisekedi. La famille Tshisekedi n'en a pas le droit que aucun ne coupe sa bango dans le ministère régalier Nyoso. Le finance, le parlement, le sénat, les affaires étrangères, la défense, le service de sécurité. Na makambo, na maboko, ya batutsi, na ba ugandé. Bino bandeko na nga ba congolais o bozali ko jubilé, il y a des scènes de liesse partout. Reculez un peu. Bosse la moi étude en mémoire. Bandeko, bobosani ba face commune. O yetondi na maluku, o tondi na selé. Bobosani ba face commune. Na Kasai, biso bato akivu kutu tulubate, po biso tozala biso ba martyr perpétuel ya Congo. Depuis Congo salama, nous nous sommes des martyrs perpétuels. Bobosani bato bazo kufa na bandu lute, bobosani bato ba bomo na Équateur, bobosani bato ba bomo na bandu, bobosani ba bundu dia Congo. E bongo o bazo bomo na Kisasa. Ozala muluba, ozala nani, bobosani ke parmi bato ba bomaka, ils ont été tués sans discrimination. On a tué celui qu'on appelle Congolais. Celui qui a réagi. Celui qui a résisté. Donc, Mouluba, Moukongo, Mungala, Mouswahili qui n'est pas une tribu, etc. Babouma Bango, Babakunda Bango. Bon, il n'y a aucun cosala en liesse pour voter Mouibi parce que c'est un voleur. Un menteur. Comment pouvez-vous justifier cette joie que tu sais que dit Félix va voter, le Congo est sauvé, peine à moni va supporter à IDPS, ma frère n'a pas l'ouvre, parce qu'on passe là, bangou n'a pas bango, et si kabazali, ma fanny n'a qu'à tirer autoroute, ma zone et la massanga. Mais nous sommes toujours sous l'emprise des Rwandais, Ougandais, Burundais. Ougandais, Rwandais et les multinationales. Félix contrôle quoi? Ou il contrôlera quoi? L'armée n'est pas congolaise. Les services de sécurité et d'intelligence ne sont pas congolais. Tous ceux-là qui vont contrôler le Parlement pour voter des lois et le Sénat pour approuver, en majorité, sont soudoyés par les occupants. Alors, vous célébrez quoi? Ça rentre dans ce que M. Senghor disait. Vous êtes en train de célébrer la médiocrité. Mais les Congolais ne méritent pas ça. Les Congolais ne méritent pas la médiocrité. Nous méritons l'excellence parce que nous sommes les Congos. Nous méritons l'excellence, la sommité. Ce qui est égal à nos richesses, à l'étendue de la République, de notre territoire. Ce qui est égal à la démographie, à la population que nous sommes. Parce que le Rwanda ne vaut rien. L'Ouganda ne vaut rien. Le Burundi ne vaut rien. Et même du point de vue
connaissance intellectuelle. Ils ne valent rien devant nous. Comment vous vous faites victime de l'astuce pour humilier les Congo et les Congolais? Et vous vous mettez à festoyer, à célébrer, vous faites des veillées pour un voleur. Je ne suis pas un Moulouba, mais je suis un Moulouba de 100 parce que je suis Congolais. Il y a 10 ans, je ne sais pas, ma mère n'a pas ce qu'il y peut-être payé à Zaki Kassayen, on ne sait jamais. Comment les Kassayens peuvent dire, nous sommes, finalement nous avons gagné, nous avons les pouvoirs, nous avons suivi tout ce qui s'est dit dans les médias. Mais écoutez les Kassayens, vous avez oublié Kamena Sapa? Vous avez oublié toutes nos mamans, tous nos grands-pères, tous nos enfants qu'on égorge au Kassayi? Vous avez oublié que Boshab et le reste ont tué les gens au Kassayi? Vous avez oublié que nos frères Kassayens ont été déportés de leur territoire, traversés la frontière et vivent dans des camps de concentration de réfugiés en Angola et être encore évacués, chassés pour revenir au Congo? C'est jusque quand cet exode prendra fin? Et vous êtes content, vous célébrez, vous êtes un ministre. Félix Akonome, même un ministre. Félix Akonome, même un chef de cabinet. Pourquoi nous souffrons de l'amnésie? Pourquoi sommes-nous amnésiaques? Nous avons perdu la mémoire. Hein? Mais le professeur Julien Tchakoudé, un moulouba de c'est quoi? Un intellectuel. Mais il vous a brossé les profits de celui que vous célébrez aujourd'hui. Que, pour utiliser le terme congolais, c'est un frappeur, c'est pas qui le dit, c'est un voleur d'argent des banques, c'est un voleur d'argent, il y a bateau. Il n'a pas travaillé. Il a passé tout son temps dans les bars, dans la boisson, se battre avec des gens dans des bars pour les femmes, uriner dans des pantalons, c'est pas qui le dit. C'est un autre Moulouba qui le dit. Ça ne vous dit rien. Vous célébrez quoi? Ne célébrez pas la médiocrité. Ne célébrez pas la pauvreté. C'est le Congo qui a raté le courant de l'histoire. Nous avons raté. Alors je demande à tout le monde de se dresser pour faire échec à Nanga, à Félix, tu sais ce qu'elle dit, et à toute la cabale de la Kabylie. Ce sont des voleurs, ce sont des gens qui ne valent rien. C'est une bande de gloutons, de goinfres. C'est une bande de pingres. C'est une bande de gens qui sont inhumains, sans cœur. C'est une bande de gens qui n'ont pas la fierté et le patriotisme au cœur et qui croient que les Congolais ne peuvent que se rétrécir dans leur ventre, dans leur béni, dans leur vagin. C'est tout ce qu'ils pensent. Mais le Congo doit s'étendre au-delà des frontières de nos corps pour que cela satisfasse l'ego de tout le monde. Le Congo, c'est un bien commun. Ce n'est pas un bien familial. Ce n'est pas un bien d'une tribu. Tout le monde est Moulouba. Tout le monde est Moulenga. Tout le monde est Mouyanzi. Tout le monde est Pendé. Tout le monde. Mais tout le monde n'est pas Tutsi. Tout le monde n'est pas Muganda. Tout le monde est Congolais, tout le monde est Mukongo, tout le monde est Mundibo, tout le monde est Mongo, tout le monde n'est pas Tutsi. Mais comment vous pouvez oublier que Kamere c'est un Rwandais? C'est l'œil et l'oreille de Kagame, c'est l'œil et l'oreille de Kanambe. Et qui dit Kanambe dit Kagame, qui dit Kagame dit Moïse Katumbi. Dit Museveni. Vous avez oublié tout ça et vous organisez des veillées, des prières. Vous remerciez Dieu. Donc votre Dieu est là pour la souffrance générale du peuple congolais et le bonheur d'un goinfre, d'un imbécile. Je pèse mes mots. C'est un imbécile. Félix est un imbécile parce qu'il ne peut pas signer des contrats léonais pour trafiquer le Congo et les Congolais pour son prestige personnel. Il devait s'élever à un niveau patriotique. Il devait être dans les camps de la patrie et non pas les camps de la traîtrise. Il devait être avec nous et dire non
aux élections. Mon frère Félix, nous avons tes vidéos, tes déclarations où tu appelais Hippolyte Kajambere Kanembe, alias Joseph Kabila, comme étant un imposteur, comme étant quelqu'un qui n'est pas digne de diriger le Congo. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu tournes le Kazakh et tu dis « Je vais protéger Kabila ». Toi, tu vas le protéger en tant que qui et en tant que quoi? Qui, je voudrais dire, as-tu le pouvoir légal de protéger un criminel? Quoi, je voudrais dire, toi tu incarnes les cours et tribunaux au Congo? Un criminel ne peut être apporté que devant la loi pour répondre de ses actes. Ce n'est pas toi qui dois les protéger. C'est la tâche, c'est le devoir, c'est le travail des cours et tribunaux. Il doit répondre de ses actes devant les tribunaux. Et les cours, ce n'est pas toi. En disant que je vais les protéger, ça signifie que tu es complice. Ça signifie que tu trahis le Congo. Et ça signifie que c'est la perpétuation de la dictature comme à l'époque de Mobutu, où il renvoyait aux calendes grecques le devoir des cours et tribunaux. Mobutu, tout dictateur comme Mobutu méprisait les droits. Mais ton feu père faisait la promotion d'un pays de droits. Je pense que tu dois te comporter comme étant un héritier de parole de ton père. Il a lutté pour un pays de droits. Tu ne dois pas arracher le pouvoir des cours et tribunaux pour en faire le tien. On dit toujours dur à l'ex, cède l'ex. La loi est dure sur la loi. Et quelque part, on te dit, la loi est au-dessus de tout le monde. Alors, si toi tu dis que tu vas protéger Kabila, soi-disant Kabila, l'entre guillemets, ça signifie que la loi est en dessous de tes pieds et toi tu es au-dessus de la loi. Et là, c'est quoi? C'est le synonyme de la dictature et ça ne change rien. C'est la continuité du mobutisme, c'est la continuité de la dictature hitlérienne, kagamiste, etc. Tu n'as aucun droit. Toi, un foutard que tu es, tu n'as aucun droit de dire que tu vas protéger Hippolyte Kagame. Après qu'il ait tué les Congolais, toi, tu oses dire que tu vas les protéger? Who are you to say you will protect a fucking guy like him? Qui es-tu? Après qu'il ait tué les Congolais, toi, tu dis tu vas les protéger, tu peux le nommer soit ambassadeur, soit ministre des Affaires étrangères, et il doit être un sénateur à vie. Ils ont beaucoup à dire. Ils ont un sénateur à vie, ils ont beaucoup à dire. Après qu'il ait tué les Congolais, ben attendez. Si tu veux être le chef de Balouba, va au Kasai ou dans ton village de Kamana. Nous n'allons pas te donner la tâche facile. Et ceux-là qui ont célébré pour toi vont déchanter. Ce n'est pas ton pays seul, hein. C'est notre pays, c'est ton bien commun, c'est ton bien communautaire, le Congo. Ça nous appartient, nous tous, et nous allons défendre. Et ne pense pas qu'avec le groupuscule de 500, de 600, soi-disant élites péperdiens, FCC, que vous allez nous coudre les bouches. Oubliez. Nous allons parler, nous allons dénoncer, nous allons accuser jusqu'à la dernière goutte de nos sang. Et sachez très bien, nous tous, nous sommes mortels. Ne pensez pas, parce que vous entrez les 200 gardes du corps, qu'aucun coup faté, hein? Ronald Reagan, Azaraki n'a pas garde du corps, Nios, Azoko Bimanotel Hilton, un petit garçon, John Winkley, à Bétien Massas, alors qu'il était entouré de toute la sécurité. John Kennedy, voyez bien, Azaraki entouré, on a tout fait, on a abattu. Tu n'es pas spécial. Ne crois pas que les Rwandais garantissent ta sécurité. Hein?
ta véritable sécurité, c'est la population. Aime la population. Garantis la sécurité de la population. Sois patriote. Protège le pays et signe des contrats qu'il faut pour le pays. T'as l'appétit. Où est-ce qu'on voit la Belgique, t'es ici, qu'on a là, qui, aux Olias, Pisa, puis tu l'as à Kwanga. Et là, je reviens à monsieur Fayoulou. Voilà mon frère, je te l'avais dit depuis longtemps. Et monsieur, mon ami, mon frère, Mbanda, l'avait dit, le grand patriote, qu'il fallait refuser, boycotter les élections. Il y a aucune élection. Le nom au commun pour réclamer Bayibio victoire. Mais on te l'avait dit, la solution la plus simple était de ne pas aller aux élections et d'intimer l'ordre à la population de se soulever. Honoré Mbanda nous l'avait dit, nous vous l'avions dit depuis longtemps, qu'il fallait une révolution à la française. Le 1800, le 1788, 89 devait vous dire quelque chose en France, qu'il fallait se soulever pour guillotiner le meurtrier, les humiliateurs du peuple congolais. Tu es à leurs élections. Et tu te plains aujourd'hui, pourquoi? C'est toi qui as cautionné ta défaite. On dit très bien que les hommes les plus prudents voient plus loin que tu as été mignon. Tu n'as pas vu ce qui était devant toi. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Je ne pense pas que la promesse qu'on nous donne, que attendons 14 jours jusqu'à ce que la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle valide les élections, que Ekozala, il y a solo. On va se balobi, il y a un mot à appeler les qui. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, Ezali, il y a Kanambe, c'est la Kabylie. Je demande à tous les Congolais, Totel et Mabiso Nyoso, nous ne devons que tuer les occupants, les tuer et les manger. Nous ne devons que tuer les collaborateurs, les tuer, les brûler et les manger. C'est l'unique langage. Vive le Congo. Le Congo de Patrice Emery Lumumba, le Congo de Joseph Kasavubu, le Congo de Kimpavita, le Congo de Tchebeya, le Congo d'Arma Tungulu, le Congo de nous tous, parce que c'est notre Congo. Vive le Congo.